Ok, nous sommes partis pour un renforcement musculaire avec haltères, avec une petite alternance et avec des petites parties sur le cardio, d'accord. Donc alternance renforcement musculaire et impact cardiovasculaire, d'accord. On a un haltère dans chaque main, environ 1, 5 ou 2 kilos, d'accord. Venez directement ici, hein, arrondir et enrouler les épaules. Monte, descend, monte, descend. Commence à réveiller le haut du corps. Haut, bas, haut, bas. 4, 3, 2, squat. Légère flexion et repousse. Bas et haut, bas, haut. Échauffement, on se met en route doucement. Reprends ici, en haut, en bas, haut et bas. Toujours en alternance. Bras droit, bras gauche. Squat, de nouveau. On commence à descendre un peu plus bas. Voilà, bien réveiller le corps. Je regarde loin devant, j'engage les abdominaux, les muscles érecteurs du rachis. Reprends côté, mets les deux en même temps. Et les squats, bras devant. Inspire, expire. Allez, courage. Bas, bas, bas. Bas, devant, ensemble. Allez, on maintient. Et les squats, 8 fois. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ah, ok, on basculera à talons. On commence à se réchauffer doucement. On a une super belle journée. Aujourd'hui, il fait beau. On n'est pas congelé non plus. Ok, côté. Rentre bien le ventre. Et mon genou. Et derrière. Tends les jambes. Serre les fessiers, serre les abdos. Allez, on s'accroche. Ok, relâche ici, termine échauffement. Quatre, trois, deux, soufflez. Ok, récupérez, hydratez, enlevez la petite veste. S'il le faut, on passera au corps de séance juste après. Toujours avec mes haltères. Ici, ouvre les appuis. Place ton dos. Bas, monte. Bas, monte. Bas, monte. Bas, monte. Inspire, expire. On descend bien sûr plus bas qu'à l'échauffement. Ok, seulement à droite. Et 4 à gauche. Alterne. Droite, gauche. Droite, gauche. Et les deux maintenant. Allez, courage, hein, bien droit toujours, en portant
Ok, reste en haut, légèrement fléchi au niveau des genoux et développe. Pousse, reviens. Pousse, reviens. Expire, montez, inspire, descente. Seulement à droite. De l'autre. Alterne. Allez, toujours avec autant de vitesse. 4, 3, 2, les deux. Allez, on maintient. Et reste ici, barre. Deux temps. Contrôle descente, contrôle montée. Inspire, expire, ok? Trois petits en bas. Et tu montes. Et 1, 2, 3, pousse. Et 1, 2, 3, pousse. Et 1, 2, 3. Ok, relâche. Ferme. Comme évoqué, on alterne avec des petites parties cardio. Ici avec les bras. Et reprends. Allez, plus tu vas tirer avec les bras, plus tu vas engager de muscles, plus ce sera difficile. Et de nouveau, les bras à côté. Et relâchez, soufflez. Ok, on va basculer en position de fente. Bien sûr, hein, c'est sur ces moments où vous pouvez voir pied gauche devant, pied droit derrière. D'accord? Les bras bien vers le sol. Et ça fait bas, monte, bas, monte. Voilà, je rajoute à chaque fois un cœur là ici. L'important c'est d'avoir un dos bien droit, d'accord? Et de venir vraiment rajouter une flexion ici le bras sans avancer ici les bras vers l'avant. Je fléchis au niveau du coude seulement. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, monte les genoux. Quatre et quatre. Allez, courage. Et les talons. Allez, toujours avec haltère, toujours bras contractés. 4 et 4. Et relâchez. Ok, on basculera de l'autre côté.
De nouveau les fentes, cette fois-ci le pied droit devant. Toujours les bras tendus, j'envoie les épaules vers l'arrière. J'incline le corps vers l'avant. Et on est parti. Single. Toujours le même principe, le bras n'avance pas, d'accord? Je viens seulement amener une flexion et une extension. Ok? Allez, encore. Hop, pause. Hop, pause. Hop, yes. Ok? Abdos bien serrés. Allez, 16 fois. 15. 14. 13. 12. 11, 10, 9, courage, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et le cardio. Allez, on vient ici, run sur place, avec les haltères hein, qui sont toujours maîtrisés. Ok, pied droit au sol et touche. Run. Allez, on garde ça. Toujours cette alternance, toujours adaptable à ton niveau, plus ou moins. Et de l'autre. Erreur. Et relâchez, ok. Je vous laisse voir. Soufflez. Il nous restera une dernière partie de renfo, une dernière partie qu'on fera au sol. D'abord un petit travail sur le dos. Ici, vous allez tout simplement descendre et remonter, d'accord? C'est parti, deux temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? On contrôle bien le mouvement. Encore. Pour l'instant, je descends bien sur les jambes. Ok, single, bas, haut, bas, haut. On est sur un soulevé de terre classique. Ok, regarde, change, pousse les fesses vers l'arrière et reviens. Soulevé de terre, jambes tendues. L'important est vraiment d'avoir un dos qui va aller chercher à être parallèle au sol. Reste en bas. Tire. 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 Plus vite. Allez, courage. Remonte, ça fait bas, tire, relâche, monte, bas, tire,
Encore. Reste en bas. Étire, tire, tire. Serre fort les abdominaux. Hein. Allez, courage. Et relâchez, soufflez. Venez avec moi ici. Fléchis les genoux, pause. Allez, c'est notre dernier mouvement debout. Huit fois, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, et relâchez. Ok, on passera au sol directement. Allez, venez fléchir les genoux ici, derrière, et reviens. Bien tirer sur le grand dorsal. Travail de la sangle abdominale également. Inspire lorsque tu ouvres, expire lorsque tu reviens. Pull over. Ok, garde les bras ici, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, les deux. Ok, pose pied au sol et monte. Seize dernières. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez, soufflez, ok, récupérez un petit peu, tendez les bras derrière, relâchez vos haltères, relâchez les épaules, inspirez, expirez en profondeur, prenez vraiment le temps de souffler.